Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. Donc dans les vlogs, désormais je reviens 3 fois dans la semaine pour vous montrer mes tricots petit à petit, leur avancée. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Lo Demoiselle, et tout ce dont je peux parler se retrouve en lien en dessous dans la description de la vidéo. Des fois je vous mets des petits i à l'écran. Et je vous remets les liens vers mes fiches Ravelry, comme ça vous retrouvez normalement toutes les informations, le patron, les aiguilles utilisées, les laines utilisées, sur un projet fini je vais remettre les quantités, tout ça, les modifications que j'aurais pu faire à un patron et tout, vous retrouvez vraiment tout sur mes fiches, j'essaye de les faire les plus complètes possibles. Je suis contente de vous retrouver en ce début de semaine. D'abord un grand merci pour tous vos commentaires sous la précédente vidéo, vous m'avez complètement rassurée à propos du châle, le MKL, là, le géogradient de Stephen West, parce que j'avais une appréhension, parce que je savais pas comment mon choix allait être perçu, mais en fait vous êtes géniaux, vous êtes top, on le répétera jamais assez, mais alors cette communauté tricot, elle est royale, vous avez été... d'une gentillesse, une bienveillance incroyable, et puis on est tous du même avis sur le fait que, grosso modo, la majorité des gens ne voient rien de mal à travers ce châle. Voilà. Alors comme la semaine dernière, afin de ne pas spoiler quoi que ce soit, il est juste là, pas spoiler ceux qui le tricotent, qui ne voudraient pas voir ou autre, je vous parle du châle de Stephen West que à la fin de la vidéo, voilà. En première partie du vlog, vous allez donc avoir les autres en cours sur les 3 différents jours, et à la fin du vlog, vous aurez que le Stephen West. Comme ça au moins, ceux qui veulent pas le voir, ils ont pas à sauter des morceaux, tout ça, c'est quand même plus agréable pour eux. Alors aujourd'hui je porte, il a fait froid, on a eu les premières gelées ce matin, donc un peu surpris, parce qu'il faisait quand même encore vraiment doux la semaine dernière, mais moi je suis contente, ça y est, on peut ressortir ses pulls, tout ça. Et donc il a quand même fait bien froid dans la maison, on n'a pas encore refait du feu. Et je suis donc restée bien couverte toute la journée. Je porte mon pull Yvette, un modèle de NCL Knits. Hop, qui a une encolure très dégagée. C'est pour ça que j'ai pas lâché mon châle. Alors, depuis que je l'ai fait, j'ai perdu du poids. Il est devenu vraiment très grand. Mais voilà, il est quand même toujours portable. Il n'y a pas de souci. Mais alors là, je suis vraiment à l'aise dedans. J'ai tricoté avec les laines de chez Laine de Mout. C'est un souvenir de vacances d'il y a 2 ans. Quand je l'avais rencontré pour la première fois au marché d'Erki. Je sais plus le nom des coloris. Si ça, c'est Miss Jacquard. Et là, je sais plus. Je saurais plus vous dire, mais ma fiche Ravelry vous le dira, et j'aime beaucoup ce, voilà, tout en rayures, ce pull, vraiment très automnal, j'en suis vraiment contente. Et dans le modèle Yvette, il y a une grille de jacquard pour faire un pull de Noël, que c'est ma première version, que vous reverrez au mois de décembre. Et au-dessus, je porte un modèle aussi de Nadia. Bon, je vais le défaire, mais je vais le remettre après. Vous voyez, c'est très échancré, et puis en plus, maintenant que j'ai perdu du poids, c'est même un peu trop grand. Et au-dessus, je porte le châle Sorbetto, un modèle aussi de Nadia que j'ai tricoté cette année. Lui, je l'ai tricoté l'an dernier ou l'an d'avant. Ah, il y a 2 ans, je pense. Hein. Oui, ça doit faire 2 ans. Ça doit être le deuxième automne que je l'ai. Et là, Sorbetto, donc toujours de Nadia, que j'ai tricoté aussi avec une laine de chez Laine de Mout, là, pour le beige. Et ce coloris-là, c'est le coloris Mabon. Là, ça doit être Miss Crème de Laine de Mout. Et là, c'est Mabon de Tricot et Stitch. J'aime beaucoup. Je l'avais tricoté vraiment avec des couleurs d'automne. J'adore ce combo, c'est magnifique. Mais j'avais pas encore pu le porter parce que je suis très saisonnière. Et donc, j'en profite que là, maintenant, que c'est l'automne. Ah ouais, j'aime beaucoup. C'est un modèle vraiment très simple à tricoter. Et je me dis que je me le referais bien parce que c'est une forme de châle que j'adore. Il avait été super chouette à tricoter et à porter. Si je le mange pas, c'est mieux. À porter, voilà, hop, on le met comme ça. Bon, moi, c'est comme ça que je le mets. Et c'est très bien. Voilà pour ce que je portais. Comme ça, j'ai chaud, je suis bien. Je suis contente. Alors, ce week-end, j'ai surtout tricoté sur mon pull qui est là-bas. Le pull Isild que je teste pour Nadia. Je l'ai terminé, je lui ai fait ses 2 manches et tout. Donc, je peux pas vous le montrer. Je vous le montre juste à sa sortie dans tout petit peu moins d'1 mois maintenant. Donc, j'ai surtout tricoté sur ça ce week-end.
J'ai avancé sur une chaussette, hein, je vous l'avais dit, c'était ma priorité de passer le talon la semaine dernière pour avoir à tricoter le pied, je vous le montre. Mais avant ça, je vais vous montrer ce que j'ai pu récupérer ce week-end. Vous savez, hein, je me rends très souvent à la mercerie de Justine, une tasse de fil et d'aiguille. Et en fait, c'est vrai que ça a permis de rencontrer plein de gens, et notamment sa couturière Véro, qui est vraiment mais une couturière talentueuse et tout. Moi, je suis épatée par ce qu'elle sait faire et tout. Et elle va proposer désormais en vente des trousses, des sacs à projet, des sacs à tricot. Et d'ailleurs, elle sera exposante au Ch'ti Bazar Créatif. Vous pourrez voir vous-même son travail là-bas. Donc moi j'avais déjà pu en bénéficier un petit peu plus tôt dans l'année parce qu'à mon anniversaire elle m'avait fait cette trousse-là. Donc avec Justine, Justine avait brodé mon pseudo et Véro elle avait fait la couture du sac. Et je l'adore, il est super... Franchement, il est grand. Il est grand, il contient facilement deux écheveaux et tout. Il est super chouette ce petit sac, moi je l'adore. C'est un format que j'aime beaucoup et d'ailleurs, vous voyez, il a fait toutes les saisons. Il a fait printemps, été et même là encore à l'automne, je l'utilise parce que je l'aime beaucoup. Et depuis, elle a sorti. Donc il y a une version un peu plus petite pour les chaussettes, il me semble, où il y a une trousse plus petite. Et elle a fait un sac beaucoup plus grand. Et quand je l'avais vu cet été, je lui avais dit oh, j'en veux un. Donc j'avais commandé à Véro un sac, donc on avait vu ensemble les tissus, tout ça. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup à la mercerie quand on fait des tricotés, les tissus sont beaux. Quand je regarde les tissus que Justine a en boutique, oui, c'est beau, ça donne presque envie de se lancer. Mais moi, quand je suis derrière ma machine, après, je rage. Et je déteste ça. Donc, j'ai compris que c'était pas pour moi. Mais choisir les tissus pour que Véro puisse faire mon sac, ça, c'était chouette. Et donc, voilà, je lui avais commandé un sac à tricot et j'ai pu le récupérer ce week-end. Et regardez-moi ça! On en met des choses là-dedans. Je vais en mettre des écheveaux au Ch'ti Bazar. Regardez-moi cette merveille. C'est vraiment le gros sac à tricot. Ça, c'est pas juste pour mettre un projet dedans. C'est pour vraiment aller partout avec. Il est mais sublime. Donc, vous voyez, dans la même idée que la petite version, c'est un velours à l'extérieur. Mais elle utilise un tissu là pour faire une pochette là devant, qui est assez grande pour y glisser ses patrons. Vous savez, si on plie en deux sa page A4 là. Ça passe très très bien dedans. Alors moi je l'ai fait le choix, je l'ai pas. Il y a des. On peut mettre une sangle pour que. Vraiment une grande sangle, mais je lui ai dit que moi j'en voulais pas. Et donc j'ai quand même les anneaux, mais j'ai pas la sangle parce que c'est un choix. Voilà, moi je l'ai pu le faire sur mesure avec ce que je voulais, ce que je voulais pas, donc ça c'était chouette. Voilà, je vous montre à l'intérieur. J'y ai mis déjà du bazar. Vous allez voir. Alors on retrouve le même tissu à l'intérieur. Il est super beau. Je saurais pas vous dire, je crois juste que le velours c'est Atelier Brunette. Ce tissu-là, je sais pas. Je suis pas au point sur les tissus. Et donc à l'intérieur, alors pour l'instant j'y ai mis tous mes sacs en cours. Vous voyez, mes chaussettes, le test pour même les anges tricotes. J'ai ma petite trousse où j'ai tout mon matériel tricot. Bon d'ailleurs, je vais tout enlever, ça sera plus simple. Vous voyez comme ça, tout l'intérieur, il est super chouette. Donc elle a fait une grande pochette ici, d'un tissu bien assorti à mon caramel là. On a de l'autre côté plusieurs pochettes. Donc vous voyez, j'ai déjà mis un stylo. On peut y mettre ses aiguilles et tout. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore investi dedans, mais je vais pouvoir y ranger plein de choses. Et il y a également une petite sangle comme ça, avec un petit crochet là pour attacher ce qu'on veut. Elle m'a fait en bonus ce petit... Cette mini trousse là, donc parfait pour ranger des anneaux marqueurs ou autres et que je peux donc facilement justement accrocher, hop, c'est ce que je compte faire, voilà, l'accrocher là pour pas la perdre. Ah ouais non franchement et c'est super qualitatif, c'est, elle me disait qu'elle était un peu, je pense que c'est comme tout le monde, on est toujours très strict avec son travail à soi. Parce que oui, il y a des petites choses qu'elle, elle est mécontente. Mais alors moi, je vois aucun défaut. Mais moi, voilà, moi, je vois juste que ben, il est super beau. Même quand je suis rentrée à la maison, mon chéri m'a dit, ah ouais, non, franchement, il est top, il est beau. Parce que lui, sur le coup, il s'est dit, encore un sac à tricot. Quand il l'a vu, il m'a dit, oui, non. C'est vrai que, voilà, il est vraiment très, très beau. Il est très grand, je vais pouvoir l'embarquer partout. Et je suis vraiment super contente, quoi. C'est super beau. Puis c'est dans mes couleurs.
C'est vrai que voilà, moi j'ai eu la chance de pouvoir le faire sur mesure et elle est en train de préparer des trousses, des sacs pour le Ch'ti Bazar créatif. C'est trop trop beau. Donc encore un grand grand merci à toi Véro. Je suis vraiment très très contente. Et donc là à l'heure actuelle, bah, juste j'ai décidé de ranger tous mes sacs, mes encours dedans parce que ça a débordé pas mal au niveau du canapé parce que c'est là où je tricote le plus. Et au moins maintenant tout est bien rangé dedans. Voilà, ça c'était pour mon achat du week-end. Voilà, c'était quelque chose qui avait été prévu avant, mais que j'ai pu récupérer là. Je suis trop trop contente. Oh, franchement, il est trop beau. Il est vraiment super beau. C'est ça, j'admire les gens qui font de la couture parce que les choses, oh, c'est waouh, hein, je vous l'ai déjà dit, mais moi, franchement, ça passe pas, ça fait deux. Sinon, bah, niveau tricot, j'ai avancé donc sur ma chaussette. Je tricote les chaussettes Fais-moi peur de Lysandre Ourdin. Moi, j'ai choisi de faire la grille numéro 3, donc avec les petits fantômes et la tête de mort. Je les tricote avec les laines de chez Bulbe Bizarre. C'était son kit manoir hanté. J'adore le rendu des laines, c'est trop trop joli. Et voilà, j'ai réussi à finir ma chaussette durant le week-end. J'aime beaucoup les nuances de la violette. Ça fait un peu un petit effet de rayure là. C'est très joli. J'aime beaucoup. Alors finalement, je vous avais dit la semaine dernière, peut-être que je réutilisais les contrastants pour le talon, pour la pointe. Bon bah clairement au talon, j'y ai plus pensé du tout. J'ai fait en violet. Et la pointe, j'avais autre chose à. J'y pensais plus non plus. J'étais à la mercerie. J'étais avec les tricopines, on papotait. Et franchement, moi, je me suis dit, hein, je m'embête pas, je le fais tout, tout en violet. De toute façon, j'avais un écheveau de 100 grammes. Du violet, donc je sais que je manque pas du tout de laine, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc ben là, l'objectif cette semaine, c'est de lancer la deuxième chaussette, parce que bon, ben, c'est vraiment le tricot parfait quand on fait de la voiture, qu'on attend tout ça. Donc commencer et avancer sur la deuxième chaussette, ça serait sympa. Puis maintenant que ça y est, il fait froid, on va les remettre et tout, ça va être chouette. Ensuite, donc l'autre en cours. Sur mes aiguilles, c'est le test pour même les anges tricotes. Laetitia, le test du pull coffee. Vous avez pu voir en intro, j'ai lavé les deux petites épaules que j'avais tricotées. Vous savez, c'est les deux petits morceaux qui seront là. Voilà. Donc on fait les deux un peu des rectangles, mais on fait la dentelle sur le haut des épaules. Et voilà ce que ça donne une fois lavé. C'est quand même beaucoup mieux. J'aurais dû. Enfin, non, parce que ça m'aurait compliqué cette semaine quand même, mais j'aurais dû en laver une et pas l'autre pour qu'on voit la différence. Mais bon, moi, ça m'aurait pas arrangé. Mais voilà, donc mes deux épaules sont lavées et il va falloir bah, reprendre tout ça. Donc relever les mailles d'un côté bah, pour travailler le dos, puis pour travailler le devant, je sais plus. Voilà, je me suis pas replongée encore dedans, mais bah, c'est l'objectif de la semaine de poursuivre ça. Ah, mais j'ai le col pour mon chéri aussi. Où est-ce que je l'ai mis ça? Ah, oh, bon, lui, il n'a pas avancé du tout du week-end, la preuve. Hein. Je l'avais oublié. Ah, ouais, j'ai ça aussi avancé. Ah, bah, voilà. Mais oui, c'est ça. Je me rappelle très bien de ce que je voulais faire. Et mon dernier en cours. Le col. Garter. Snake Wall. De je ne sais toujours pas qui. Bref, un col tout en brioche que je tricote pour mon chéri et qui a une partie en point mousse ici. Donc que j'ai tricote dans les laines de chez Arco Iris Yarn qu'il a acheté quand elle est venue en vente éphémère justement chez Justine, une tasse de fil et d'aiguille. Le coloris Dragono ici et le coloris Patronus à l'intérieur. Ça, l'objectif, ça serait de le finir cette semaine. Clairement. Bah, déjà, maintenant il fait froid donc il va être utile et puis ça fait trop longtemps que ça dure. Faut que je le termine, il n'y a pas. Je sais pas encore. Je pense que j'ai fait les deux tiers du col, donc ça devrait. Voilà. L'objectif, c'est de finir. La semaine dernière, j'avais pris mon temps pour tricoter le premier indice du MKL de Steven West, et ça fait que j'avais trouvé que j'avais avancé sur rien du tout. Là, mon objectif cette semaine, c'est de finir l'indice 2. Je pense qu'après je vais que tricoter celui-là, histoire de le terminer, et comme ça on n'en parle plus. Et après il me restera plus que mes chaussettes et mon test pour Laetitia sur les aiguilles, et ça me paraît bien. Ça va me permettre d'avancer voilà, sur des choses, et parce que j'ai pas envie de le traîner encore une semaine. Non, il faut qu'il soit fini là. Puis on va rentrer dans la période où il va en avoir besoin, donc ça serait bien que je le termine.
Voilà, donc ça, normalement, j'espère revenir mercredi et il sera peut-être terminé, à voir. Ou au moins terminé pour vendredi, ça serait vraiment bien. Et donc les deux laines. Il va m'en rester pas mal, hein. Je sais pas combien il faut de laine au total, mais c'était des échevaux de 100 grammes. Je pense même pas être encore à la moitié des échevaux et je pense avoir dépassé la moitié du col. Donc au niveau de la laine, on sera large, on aura des jolis restes à la fin. Mais c'est pas de la laine à chaussettes, on a pris 100%, on a pris Dr. Wool 100% Mérinos. C'est super doux, en tout cas, elle est très très douce et c'est très moelleux. J'aime beaucoup. Ah d'ailleurs, je vous ai même pas redit les laines, hop, pour le test. C'est très très doux aussi. C'est la teinture lurée dans le coloris Hunter Sandman. Et c'est sa base, sa nouvelle base BFL Cachemire et Soie. C'est vraiment très très doux. Et c'est vraiment une laine qui se révèle après avoir été lavée. Le point, il se lisse bien, elle gonfle et tout. Et franchement, elle est très très jolie. Parce que je trouvais que mes mailles étaient un peu déjaugées au départ. Mais après lavage, franchement, c'est nickel. C'est vraiment très très beau. Donc ça, il me tarde de le voir aussi tricoter, mais vraiment sur du jersey. Parce que ça va donner le corps en jersey. Tout ça va être beau. Au début, j'étais partie sur un coloris très automnal. Et finalement, j'ai changé pour ce coloris-là. Et je suis contente parce que ça va me permettre... Parce que moi, je fonctionne vraiment par les saisons. Vous voyez, mon pull Yvette, j'arriverai pas à le porter au printemps. C'est comme ça. Donc là, au moins, ce pull-là, ben, beige comme ça, j'arriverai aussi bien à le porter là à l'automne qu'au printemps. Et avec toute la dentelle qu'il a et tout, c'est vrai que ça va être chouette de le porter aux deux saisons. Voilà, ça c'était pour la laine, pour celui-là. Donc bah, c'était le petit point en début de semaine. On se retrouve mercredi. Aujourd'hui, je porte le gilet Fade It Brioche, un modèle que j'ai tricoté tout récemment et que je peux profiter. Alors là, qui fait vraiment bien, le froid s'installe et tout, là j'avoue que c'est un vrai bonheur de le porter avec son col châle et tout. Il a vraiment ce côté très réconfortant, douillet, cocooning, vraiment très très chouette. Donc voilà, ce gilet que j'avais tricoté avec 6 couleurs différentes au total. Il y a sa petite vidéo dédiée et tout. Voilà, je vous en parle pas, vous en aviez vu beaucoup, hein. De la brioche sur les manches et là sur tout le col, donc, qui se poursuit là sur tout le devant du gilet. Un petit bonheur. J'en suis vraiment contente. Et puis là, bah, il me tient chaud, il est douillet, c'est vraiment chouette. Voilà. Alors, dans les petites vidéos avant, et puis, alors, je remets mes chaussettes tricotées, hein, là, puis quel bonheur, parce que je les avais déjà commencé à les remettre un peu le soir, parce qu'il fait frais, mais là, je les garde la journée complète, donc les petites chaussettes que j'avais, c'était le modèle Carab de Maison Pleine Fleur, j'aime beaucoup. Vous avez pu voir que mes petits orteils, il y a du jacquard, mais il y a du jacquard aussi sur la tige de la chaussette. Voilà, je suis contente, j'ai remis mes chaussettes. En parlant de chaussettes d'ailleurs, hier bah, Noah m'a réclamé une nouvelle paire de chaussettes parce que les siennes sont trop petites. Il avait les Pac-Man, je lui avais tricoté ça l'an dernier. Mais il avait bien bien grandi des pieds, il avait... Pff, voilà, elles ont fait leur temps. Alors je vous montre un peu l'état, attention, image d'horreur. Voilà le... la chose. Oh! Oh, bah c'était... Eh ben vous voyez, je le savais même pas. Là, ça s'était décousu. Bah c'est le début du fil. Le fil, j'ai pas dû rentrer assez de fil. Ou le fil s'est cassé. Oh, bah en fait, il était temps qu'on les change. Hein. là, ça doit être moi. Je pense que c'est le début du rang et que le fil, il s'est défait. Et que je l'ai mal rentré, donc voilà. Et donc vous voyez, donc elles ont bouloché. Alors faut savoir que donc ils les portent tous les jours. Cet été, ça a même servi de chausson.
Voilà, donc c'est porté extrêmement énormément. Donc celles-ci, elles étaient en laine de mouton. Qu'on voit là où il y a du frottement, il y a des bouloches. Après, donc voilà, c'est normal. Oh là là, dans l'état qu'elles sont, voyez, elles sont tellement usées sur le dessous. J'aurais beau les laver, elles vont rester de cette couleur-là. Je sais très bien, je les avais déjà lavées et tout. Oh, mais en fait, elles sont trouées là aussi. Regardez-moi ça. Et en fait, hop, vous voyez, alors le talon il est là, mais lui il est porté, son talon il était là. C'est pour ça qu'il me l'a usé jusque-là. Elles étaient vraiment, il les mettait même si le talon il se plaçait plus bien, son talon il passait vraiment sous le pied. On voit bien qu'il les a usées jusque-là. Voilà, donc bon, bah c'est tout, hein. Elles ont fait leur temps. Bon, je vais pas essayer de façon de les réparer parce que elles sont beaucoup trop petites. Pour moi aussi, c'est pas. Ouais, peut-être qu'elle aurait pu m'y aller à moi, mais clairement, là, vous voyez, c'est vraiment usé et tout. Il n'y a plus de couleur et en fait, ça ne reviendra pas noir. On verra plus le jacquard. Ça a feutré à ce niveau-là, à force d'être usé. Et ouais, bah ouais, je me rends compte qu'elles sont trouées à plusieurs endroits finalement. Ouais. Donc hier, il me réclame des chaussettes. Et il veut des chaussettes avec un jacquard, donc je lui ai pré-donné mes livres, donc il regardait surtout dans le livre de Charleston, tout ça. Mais bon, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'avais prévu des chaussettes pour les garçons. Et donc j'ai pas su tenir plus longtemps, je leur ai offert leurs chaussettes hier. Ils en avaient besoin finalement, je pouvais pas attendre, je voulais leur offrir à la Saint-Nicolas. C'était pas possible, c'est pas possible d'attendre aussi longtemps. Donc Benoît, super content d'avoir des nouvelles chaussettes, des chaussettes à sa taille. Le fait que ils aient deux paires, on va pouvoir faire un roulement et éviter parce que là, bah, il les mettait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a aucun roulement, c'est vraiment un usage intensif. Moi, je peux vous montrer des vieilles chaussettes à moi, elles sont pas du tout dans cet état-là. Donc là, ils en ont deux paires, je vais pouvoir rouler. Donc Axel, il a eu deux paires également, parce que lui, m'avait réclamé des chaussettes, des sockets, des chaussettes courtes un peu plus tôt, il les avait déjà eues. Et Sanoé m'avait dit clairement que lui, il voulait pas, il voulait des chaussettes qui montent. Je leur avais fait tous les deux des color palette socks, ils adorent, Axel adore sa version, Noé aime beaucoup la sienne, et j'avais fait des Monday socks, et là en fait Axel il aime pas. Il aime pas sa version, le côté jaune fluo est beaucoup trop fluo à son goût finalement, et ça lui fait mal aux yeux en fait, c'est trop fort, c'est trop lumineux. Je pensais que ça allait lui plaire parce qu'il est daltonien et c'est une couleur qu'il voit bien, mais alors là apparemment c'est trop. C'est trop trop trop, il les aime pas, donc c'est mon chéri qui les a récupérés. Voilà, ils font à peu près tous la même pointure, mon chéri. Super content d'avoir des nouvelles chaussettes. J'avais prévu de lui en faire, bah j'en ferai pas, finalement, parce qu'il vient de récupérer une paire et il me dit bah non, pour l'instant j'ai le temps. Il avait oublié qu'il avait acheté de la laine chez Yarnelink quand elle était venue chez Justine. Il me dit bah non, bah on le fera plus tard. Voilà, donc finalement plus de chaussettes pour lui. Et donc Axel a ses sockets et sa color palette sock, donc on va faire un roulement avec ces deux-là. Et Noah donc maintenant a ses color palette sock aussi et ses Monday sock et on va faire un roulement là-dessus pour cet hiver. Voilà. Noah, il risque encore de grandir, pas sûr qu'elles lui vont encore l'an prochain, même si quand même elles sont un tout petit peu grandes. Et Axel, bah, si cette année ça tient bien, ça devrait peut-être tenir l'hiver prochain. Mais voilà, moi, ils ont que deux paires, donc et puis ils les mettent tout le temps, et ça sert comme un peu de chausson à la maison. Donc ils les usent vraiment beaucoup plus vite que moi. Voilà, c'était le petit point chaussette. Ils étaient contents de la surprise quand même. Voilà, le côté surprise était là. C'est juste que ça a été offert beaucoup plus tôt que prévu, mais après il fait bien froid là. Donc c'était le moment idéal pour les utiliser. Voilà. Alors, sinon, bah, on va quand même parler tricot. On va rester dans les chaussettes. Parce que c'était vraiment notre sujet de conversation hier. J'ai recommencé. La nouvelle. Ouais, je l'avais fini, j'ai eu un doute. J'ai recommencé une chaussette, la deuxième de Fais-moi peur. Et puis hier, justement, je regardais pour peut-être, parce que je vous l'avais dit, il y a trois grilles de jacquard dedans, pour peut-être faire une autre grille de jacquard, pour changer un peu les plaisirs, tout ça. Et la Noa m'a dit, mais c'est pas possible, maman, tu peux pas avoir deux chaussettes différentes, il faut que ça soit le même motif et tout. Il trouvait ça inconcevable. Donc je lui ai montré mes chaussettes homard. Parce que chaussettes homard, c'est pareil, il y a trois grilles. Donc j'ai une chaussette avec des homards, j'ai une chaussette avec des crabes. Et il a été trop choqué. Donc bon, on va pas le contrarier. Et même si c'est pour moi, je vais refaire exactement la même chaussette à l'identique. Et comme ils m'ont dit, bah, l'an prochain, tu en feras une autre paire d'Halloween avec l'une des autres grilles. Ils ne se rendent pas compte que d'ici l'an prochain, il y aura d'autres modèles de chaussettes d'Halloween qui seront sortis. Et
je ferai peut-être un autre modèle. Mais sinon, pourquoi pas dans l'idée de refaire effectivement une autre grille de Fais-moi peur l'an prochain. Donc bon, bah là en tout cas, je vais refaire exactement la même grille. C'est vrai que je l'avais bien aimée, elle est sympa à tricoter, les petits fantômes, les têtes de mort. Et en plus, c'est vrai que ça fonctionne super bien avec les couleurs du kit de Bulles Bizarres. Parce qu'après, bon, c'était un chat, je me vois pas faire un chat en fluo. Alors peut-être que j'aurais inversé, j'aurais mis l'espèce de jaune fluo là dans le fond, puis les chats en noir, mais les citrouilles c'est pareil, moi. Je trouvais que là vraiment fantôme et tête de mort avec ce coloris là ça fonctionnait vraiment bien. Donc bon bah c'est juste un tout petit début de chaussettes, mais au moins c'est relancé. Ah, c'était vraiment notre sujet hier. Ensuite. Ensuite, mais oui. Le col de monsieur. Hop, 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 hop. Voilà, il est terminé. Oh. Alors, je vous montre. Là, mon petit anneau marqueur d'Apollonie. J'en étais là quand je vous l'ai montré lundi. Quand je vous montrais là, je vous disais, oh, je pense que j'ai fait les deux tiers du snood, du col. Pas du tout. Mais pas du tout. Regardez-moi ce truc. J'en étais à la moitié. C'est super long. C'est super long à tricoter. En fait, le fait qu'on vienne réduire là, la partie en brioche, bah le rythme il est assez. Il est pas si lent que ça parce que bon, je vais pas vous le dire parce que c'est un patron payant. À première vue, ça me paraissait pas si lent que ça. C'est quand même un rythme assez régulier, assez proche. Vous voyez, on a une belle courbe, hein. Mais en fait, il y a quand même tellement de mailles que ben c'est long de passer de la pointe ici tout en haut à ici là tout en bas où on avait fait que du. Vous voyez, en fait, il y a tout ça. À... C'est pas vraiment à diminuer, mais ça, en... vous comprenez quoi. Il y a tout ça qu'on enlève de brioche pour arriver juste à une pointe tout en haut. Donc, il est vraiment très très long. Vraiment un très grand col, incroyable. Alors je suis contente de l'avoir fini. Finalement, je vous avais dit, je voulais faire mon indice 2 du Steven West, puis après tricoter que ça. Finalement, j'ai pas fait ça. J'ai tricoté la moitié de mon indice 2, enfin la moitié de la moitié, un quart, donc de l'indice 2. J'ai continué ça, j'ai pris ça, j'ai avancé dessus, j'ai terminé mon indice 2. J'ai repris ça, j'ai trouvé que c'était super lent, j'ai failli faire autre chose et je me suis dit non, 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 allez, on y va, on se donne à fond et on le termine. Donc ça y est, il est terminé, le col de mon chéri, vraiment énorme, énorme. Alors, je vais vous le... Hop, je vais le passer. Oh, alors, voilà ce que ça donne porté. Où est-ce qu'on voit la pointe? Ah si, ça tiendra comme ça. Oh, c'est pas mal. Ah... Il l'a essayé, il aime bien. Ça fait... Moi, je n'avais pas encore essayé. Ça fait très... Il y a beaucoup de matière là. Parce que vous voyez, en fait, là, bah, il se tasse tout là. Donc, il y a pas mal de matière. Ça tient bien chaud. Lui, il aime bien le remonter. Je me rends compte que ça sera possible. S'il ne me l'étire pas trop, ça va être possible qu'il le mette juste comme ça. Ouais, parce qu'il aime bien quand il fait fort froid et qu'on va se promener, par exemple, à la plage. Poup ! Il ne reste plus que les yeux. Parce qu'il met une un bonnet ou une capuche par-dessus, il ne reste plus que les yeux. Ah ouais non, mais à lui qui aime bien faire ça, ouais, ça va être pas mal. Donc ça fait beaucoup de matière là, donc vous voyez le but c'est normalement de mettre le triangle là sur le devant. Ah oui, et puis attendez, parce que là il y avait encore, allez, une vingtaine de rangs de points mousse, que du point mousse à faire, je l'ai pas fait. Je me dis hop hop hop, là c'est bon, j'en avais marre, et puis franchement il est déjà super grand. On pourrait faire, alors j'allais dire peut-être plus court parce que c'était long à tricoter, mais en fait non, le fait qu'il soit si long, ça fait vraiment beaucoup de matière. Et c'est vraiment très très agréable. Et ça va tenir chaud. En fait, je me rends compte que ouais, ça fait vraiment tout un tas. C'est pas mal. Parce que je sais qu'il avait peur d'avoir un col qui chute. Et qui en fait, bah, ça soit quand même découvert. Donc non, ça chutera pas. Donc ça va. Je crois qu'en bas, j'avais fait un German Twisted Cast On pour avoir assez d'élasticité. Et en haut, j'ai essayé de faire un rabat assez élastique aussi pour que... Ben pour qu'il puisse bien passer sa tête, j'avais peur que si ça soit trop serré, il puisse pas passer sa tête ou autre. Donc voilà, j'ai fait un élastique bind off, mais je l'ai fait une maille sur deux en fait. Donc l'élastique c'est quand bind off, c'est quand on tricote deux mailles ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait après?
Ah oui, on vient tricoter à chaque fois 2 mailles ensemble pour les rabattre au fur et à mesure. Ben, je l'ai fait une fois sur deux. C'est-à-dire que par exemple, si je rabattais une maille, la maille suivante, j'allais la tricoter une fois, puis je venais la tricoter avec la maille d'avant, il me reste plus qu'une maille. La maille suivante, je la tricote normalement, je rabats la maille précédente dessus, je tricote la maille suivante, que je viens tricoter ensemble avec la maille précédente, et ainsi de suite. Ça permet d'avoir assez d'élasticité, mais pas trop. Je vais rentrer les fils, mais je pense pas que je vais lui bloquer parce qu'il faudrait pas qu'il s'étende. Il est très bien comme ça, et maintenant il faut que j'attaque le bonnet. Mais je suis vraiment contente, c'est vraiment très joli. Et donc, alors, le côté extérieur qui est pour nous, pour moi, l'endroit du tricot, et l'intérieur, hop, c'est le autre coloris qui prend le dessus. Voilà ce que ça donne. Ça fait beau. Au niveau du point mousse, ah non, si, un patronus ressort plus de ce côté-là. Enfin voilà, donc une bonne chose de faite, il est terminé. Je ne ferai pas de vidéo dédiée pour un accessoire comme ça. Voilà, ça, on peut vous retrouver sur ma fiche Ravelry, je vais mettre tous les détails dessus pour ce modèle-là. Au niveau des laines, donc dernier rappel de ce que j'avais utilisé, j'ai utilisé hop de la Arco Iris Yarn qu'on a acheté quand elle est venue récemment chez Justine. Il avait choisi, c'était pris donc dans la base Dr. Wool, le coloris Dragono et le coloris Patronus, donc du 100% Merino Superwash, d'une douceur incroyable. Elle est vraiment très très douce. Et elle sent bon, super bon et très très douce. Franchement, j'ai adoré. Donc là, on a le Dragono et là, on a le Patronus. J'ai pas encore pesé, mais si vous irez voir dans mes fiches Ravelry, au moment de la vidéo sortie, ça sera noté. Voilà, c'est long à tricoter, mais ça valait le coup de le faire parce qu'il est vraiment tout moelleux. Enfin, dernier encours que je viens vous montrer aujourd'hui, il s'agit du pull Coffee que je teste pour Laetitia, même les anges tricotes, que je tricote dans la laine. Alors, c'est BFL Cachemire et Soie de teinture lurée. Une merveille cette laine. Je vous avais montré, hein, j'avais lavé les deux épaules hop, en dentelle du pull. Et vous voyez, hop, voilà, j'ai fait les deux demi devant. C'est un pull avec une encolure V. On en est bon. Donc voilà, les épaules vont être là. Et là, j'ai l'encolure. Je viens juste de finir les deux demi devant. Hop, on rejoint, et là je vais tricoter encore un petit peu, quelques rangs les deux réunis avant de passer au dos. Oh là là, j'aime beaucoup. Et là dans le jersey on voit les nuances. Mais vous voyez, c'est une laine qui a vraiment besoin d'être lavée pour être bien lissée. Là clairement je pourrais pas mettre mon pull avant lavage, il faut vraiment que ça soit lavé. C'est vraiment une laine qui se révèle après le lavage. Je pense que vous voyez un peu les nuances, tout ça, j'aime beaucoup. C'est très beau, c'est très doux. C'est une laine qui glisse un peu. Alors moi, ça ne me pose pas de problème, je tricote avec mes aiguilles chat au goût et ça se passe bien. Mais c'est vrai que c'est une laine qui glisse un petit peu, mais qui est brillante. Oh, c'est incroyable, elle est bien brillante, elle est belle comme tout. Puis c'est tout doux, franchement, un vrai bonheur. Donc là, bah, je suis contente parce que j'ai eu quand même une belle avancée dessus. Donc là, je vais terminer le devant, puis j'attaque le dos. Et ensuite, le corps, je crois qu'il est tout en jersey. Voilà, après je passerai sur le corps en rond tout en jersey, ça sera chouette. Mais voilà donc pour celui-là, le modèle Coffee. Ah, je suis contente parce que oui, j'ai quand même bien avancé, j'ai fini le col, mon chéri, c'était une bonne étape. Je crois que j'ai pas traîné pour faire son bonnet. Peut-être le castonner cette semaine, histoire que ça soit fait, bon, au moins le commencer. Parce que là, clairement, il va en avoir besoin dans pas longtemps. Ouais, peut-être, affaire à suivre, on verra ça vendredi.
On se retrouve pour la fin de ce vlog et je suis le soleil de votre journée. Aujourd'hui, je porte le fameux pull soleil, je l'ai appelé tout le long comme ça. C'est le super cosy de You Need To Learn, Noémie. Noémie, j'ai lu sur Instagram. C'est un modèle gratuit qu'elle a tricoté dans la broche alpagacique de Trops, il me semble. Et moi, je l'avais tricoté dans le suri alpaga de Langyarn. J'avais eu les pelotes en solde à moins 50% chez Justine, ma petite mercerie, une tasse de filet d'aiguille, vous avez l'habitude. Donc il m'était revenu vraiment pour pas cher, il est super doux et tout, il est super agréable. Et même si, voilà, ça pète un peu comme couleur pour l'automne, il est tellement confortable que bah, je l'ai remis avec plaisir. D'ailleurs, en parlant de Noémie, je vous mettrai le lien vers son Instagram parce qu'elle a lancé une cagnotte pour recevoir des fonds. Pour un projet de mise en ligne pour un site, parce que je vous l'ai déjà dit, elle partage énormément pour la communauté tricot, plein d'informations et tout, et donc elle voudrait étendre un peu plus ça, et donc elle a lancé une cagnotte. Voilà, si le cœur vous en dit, je vous mets le lien vers son Instagram, vous trouverez toutes les informations. Alors, pour cette fin de semaine, vous avez pu voir, j'ai reçu un petit colis de Maison Pleine Fleurs. Oh, c'était tellement délicat, tellement beau, tellement bien préparé. Hop, Maison Pleine Fleurs. Voilà, voilà, avec une très jolie carte, elle est vraiment très belle. Avec un adorable mot, merci Estelle. Il y avait également, hop, un petit cadeau, regardez-moi ça comme c'est beau. Alors cette fleur, cette feuille qu'elle a dessinée et gravée elle-même dans du cuir, puis avec deux petits anneaux marqueurs là de... Parfait pour l'automne, c'est super beau. On avait reçu un mail, alors si je dis pas de bêtises, Estelle voudrait se consacrer davantage à des marchés pour avoir un contact plus humain. Parce que c'est vrai que je conçois très bien que la vente en ligne... alors c'est un plus parce que ça permet de s'étendre plus loin, mais il n'y a jamais de contact. Et elle disait que c'est ce qu'elle recherchait davantage dans cette activité-là. Hein. C'est un travail secondaire, elle a une autre activité à temps plein. Et donc là, ben, donc elle nous expliquait ça dans un mail, puis elle offrait un petit code promo pour notre fidélité et tout. Je me suis dit, bon, ben, c'était le moment d'en profiter. Elle avait mis en ligne pas mal de sacs à projet et tout, sur une belle collection d'automne. Et j'ai craqué pour cette petite merveille. Oh là, et regarde, en plus, il est immense. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit si grand. Des sacs à projet, j'en ai plein. Et maintenant, en fait, si j'en achète un, c'est vraiment parce que c'est la pièce, une pièce unique, une pièce que j'ai pas du tout dans ma collection déjà. Il faut que, voilà, c'est vraiment, je cherche le petit sac à projet qui est très différent de ce qu'on peut voir, qui a un tissu qu'on ne voit pas partout. Mais voilà, je recherche la petite belle pièce unique pour ma collection, donc j'en achète beaucoup moins maintenant. Mais j'avoue que là, ce tissu avec tous les champignons, les feuilles, les papillons, j'adore, c'est magnifique. Donc voilà, avec deux petits liens en haut. Alors, bon, c'est pas représentatif du travail d'Estelle, hein, qui travaille le cuir notamment, tout ça. Mais parfois, voilà, elle fait des petits sacs à projet en tissu et c'est vrai que j'ai adoré le tissu, il est trop trop beau. Et donc dedans, je vais pouvoir y mettre un nouvel encours. Non, j'ai monté les mailles hier ou avant-hier et je vous en parle juste après. Donc voilà, Estelle de Maison Pleine Fleurs. J'avais acheté il n'y a pas longtemps une paire de boucles d'oreilles chez elle où c'était du cuir. Que j'adore, elles sont magnifiques. Voilà, alors ça c'était pour la petite réception du jour. On va faire un petit point tricot. Je sais même plus... J'en ai tellement plein partout... que je ne sais plus par où commencer. Petit point chaussettes. Voici mes fais-moi peur deuxième chaussette. J'ai fait tout le jacquard. Hop, vous voyez, c'est le début du rang. Il n'y a rien qui choque. Ça tombe super bien. Par là, on voit un petit point bleu de jaune. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai fait tout le jacquard. Donc maintenant, bah, ça va être tranquille. Hop. J'en suis là, je dois faire quelques rangs avant de faire le talon, puis après tout mon pied. Moi, j'ai pas fait les rayures parce que j'avais peur de manquer de laine. J'ai pas 50 grammes, mais j'ai que 20 grammes de coloris contrastant. Donc voilà. Mais je voulais absolument finir le jacquard avant le week-end, parce qu'on a un week-end chargé. On va prendre la voiture, tout ça, on sera pas énormément à la maison. Donc je voulais quelque chose vraiment de simple où il n'y avait pas à réfléchir. Et au final, c'est pas trop ce que j'ai en ce moment sur mes aiguilles. Donc voilà, la chaussette m'accompagnera.
Et je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que quand on travaille pas, quand on est en week-end, on a le moins de temps pour tricoter que d'habitude. Voilà. En fait, c'est peut-être parce que la semaine, ce que je veux pas faire la semaine, parce que je veux après le boulot tricoter, ben en fait, ça se repousse au week-end. Genre, il faut faire les courses, c'est le gros ménage de la maison, c'est. Voilà, et on. Et on tricote pas tant que ça. Donc, bon, j'ai prévu de prendre ma chaussette parce qu'on va faire de la voiture, tout ça. Ça sera tricot chaussette. Ensuite. Ça, c'est quoi? Là, c'est le test pour Laetitia. Même les anges tricotent. Non, c'est même pas ça en plus. Là, il est où celui-là? Je suis éparpillée. Ben, en fait, dans mon grand sac, il fait rester un sac à projet. Voilà, là, on est bon. Donc, le test du pull coffee. Je vais y arriver. Je vous avais quitté, je venais tout juste de rejoindre mes deux demi-devants. Ça va ressembler à rien avec tous les films dans tous les sens. C'est un peu la pagaille. Ouf. Voilà, donc j'avais rejoint, j'ai tricoté un petit peu. Et puis je suis allée, j'ai commencé le dos. C'est tout emmêlé. Ah, je vais y arriver. Voilà. Ok, après on vient reprendre les mailles. Si je vous montre du bon côté. Les mailles de l'autre côté de l'épaule, hein, comme on a pu faire à ce niveau-là, ben on vient le faire de l'autre côté. On tricote un tout petit morceau de dos. On vient faire la même chose de l'autre côté. Et on rejoint par contre là tout de suite le dos. Et dans le dos, on vient refaire la dentelle. Vous n'allez pas voir grand-chose, je suis vraiment au début du motif. Mais voyez la dentelle. Elle apparaît doucement. Donc c'est la même dentelle quand même. Que sur les épaules, et donc c'est dans le haut du dos, et vous verrez au fur et à mesure. Donc voilà où j'en suis. Ça commence à ressembler à quelque chose, ouais, quoique non, c'est un peu tout emmêlé. Un vrai bonheur à tricoter, c'est pas compliqué, c'est très bien expliqué. C'est voilà, c'est agréable, c'est chouette. Ouais, non, c'est pas mal. Donc voilà, ça avance tranquillement. Bon, il n'y a pas d'urgence, celui-là, c'est un test vraiment où on a vraiment beaucoup de temps pour le faire donc. Ça va être vraiment tranquille. Celui-là, je vais pas le. Vous voyez, en fait, là, il faut que je suive la dentelle et tout, même si elle est simple, je suis quand même le diagramme rang par rang. Et je vais pas l'embarquer avec moi ce week-end, parce que, avec tous ces fils dans tous les sens, le fait qu'il faille suivre le diagramme et tout, lui, je le reprendrai la semaine prochaine. Mon objectif la semaine prochaine, ça sera de finir le dos pour rejoindre le devant et le dos. Ça sera déjà plus simple. Il y aura moins de fils partout. Et on commencera à tricoter en rond et que des mailles en droit. Voilà. Donc le pull coffee que je tricote avec les jolies laines d'Audrey teinturlurées. On en reparle un petit peu la semaine prochaine. Là là là, le Steven West à la fin. Et donc là, vous m'avez vu monter des mailles. Alors je vous avais dit, comme j'avais fini le col pour mon chéri, j'allais lui faire son bonnet. Et entre-temps. J'ai découvert le podcast de Mélanie, Les Aiguilles Aventurières, et elle apparaît dans son podcast qu'elle allait faire le Alpine Bloom avec Céline de Céline Ficelle. Et en fait, mon cerveau a fait les rapprochements. Céline est testeuse pour Nadia, donc en fait, on tricote souvent les mêmes modèles, on a vraiment les mêmes coups. Je viens de découvrir aussi sa chaîne. Au passage que toutes les deux ont donc une chaîne YouTube. Et donc ben voilà, je les ai rejoints pour tricoter le Alpine Bloom de Kathleen Hunter qui est sorti un peu plus tôt dans l'année. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce modèle-là. Il est sorti version t-shirt. Moi je vais essayer de faire des manches longues. J'avais acheté un peu plus de laine que prévu, que conseillé dans le patron pour essayer de faire des manches longues. Voilà. Et donc je suis partie pour ça. J'ai donc monté mes mailles. Je me suis servi des petits anneaux marqueurs. Je sais pas si elle en fait encore. Moi je crois que je les avais achetés en solde de chez Apollonie où en fait c'est des chiffres dessus 25, 50, 75, 100 et ils sont tous deux fois donc on peut quand même aller jusqu'à 200 mailles. Puis après on réutilise les premiers mais ça permet de marquer. Voilà, quand je suis montée 25 mailles, hop, je mets mon anneau marqueur 25. Quand je suis arrivée à 5, je recompte 25 mailles, j'en suis à 50, je mets 50 et ainsi de suite. Je trouve ça bien, ça me permet d'éviter de recompter tout le temps. Donc voilà, le Happy Bloom, c'est un modèle en anglais. C'est un pull qui tricote du haut vers le bas et je vais vous montrer où j'en suis. Voilà, donc j'ai fait l'encolure. Une très jolie encolure qui n'est pas en côte, qui est avec cette jolie dentelle qui fait un effet festonné. Très très jolie.
et j'ai un tout petit début de jacquard. J'ai fait des rangs raccourcis, vous voyez là, c'est plus haut que devant, et un tout petit début de jacquard. Alors les filles, elles avancent plus vite que moi, mais bon, j'ai trop d'encours sur mes aiguilles pour tout avancer. Voilà, c'est comme ça. Au niveau des laines, alors j'utilise en coloris principal cette petite merveille qui est super douce. C'est la Baby Alpaga de Langerne qu'on a acheté soldée aussi. Quand est-ce qu'elle avait fait ça? Je me demande si c'est pas avant ses vacances, avant que Justine parte en vacances. Mon chéri qui avait acheté la laine. C'est une douceur, c'est incroyable. Donc j'utilise ça en coloris principal. Et pour mon jacquard, j'utilise cette petite merveille. Je suis contente de l'utiliser enfin. Il attendait le bon projet. C'est un écheveau que m'avait envoyé Didier au film d'Horus. Hop. Voilà. Dans sa base Luxor Fingering, 100% Merino Superwash Single, le coloris pyramide. Et donc, bon, bah pour l'instant, pour le jacquard, vous ne verrez rien, mais regardez comme ça va être beau. Ah ouais, non, ça va être magnifique. Hop, mais bon, pour l'instant, vous voyez rien. La semaine prochaine. Donc lui, c'est pareil. Dimanche, on n'est pas là, on fait de la route, tout ça, et on ne sera pas à la maison. Je ne vais pas le prendre, parce qu'il faut suivre la grille de jacquard, et que j'ai pas envie de trimballer tout. Il faut quelque chose de vraiment zéro cerveau, moi, dans la voiture, tout ça, je veux pas avoir à trop... Je veux pas m'encombrer de trop de choses. Donc il avancera un petit peu ce week-end, mais pas énormément. Mais c'est pas grave, il n'y a pas voilà, à son rythme. Au moins il est lancé, je suis contente de l'avoir enfin lancé ce modèle-là, parce que bah, c'était au coloris d'automne. L'alpaga ça va être chaud, donc vraiment je vais pouvoir le mettre cet hiver et tout. Il était temps que je me lance et que je le fasse. Voilà, voilà pour cette fin de semaine. Et puis le bonnet pour monsieur, bah, je lui ai dit que je le ferai après mes chaussettes. Une fois que j'aurai fini mes chaussettes, parce que je ne recommence pas quelque chose, là j'ai assez d'encours sur mes aiguilles. Une fois que j'aurai fini mes chaussettes, je commencerai son bonnet. Et puis voilà. Voilà pour cette semaine. Alors pour tous ceux qui ne veulent pas entendre parler du Steven West ou se faire spoiler ou autre, bah vous pouvez arrêter là. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et surtout un bon tricot. Et pour tous ceux qui veulent voir mon avancée du Steven West, et ben ça se passe tout de suite. Alors je viens vous parler du châle donc de Steven West, le chez au gradient. Donc voilà, comme vous avez pu le voir plus tôt dans la vidéo, je suis vraiment soulagée de comment vous avez pris ma décision de garder ce premier indice. Vous êtes toutes unanimes sur le fait qu'on y voit tout sauf un symbole haineux à l'intérieur de ce premier indice. Vous êtes quand même quelques-unes à regretter de ne pas voir mon châle en entier, du fait que je m'applique cette auto-censure. Alors peut-être qu'à la fin du châle, je vous le montrerai un petit peu rapidement, peut-être le châle vraiment en entier pour que vous voyez ce que ça donne. Mais pour l'instant, je vais essayer de continuer un peu comme ça, de vous montrer le deuxième indice sans trop vous montrer le premier indice. Alors je suis... hop, je prends un peu de fil. J'ai terminé la moitié du deuxième indice, donc ça donne tout ceci, hop, sur la moitié du châle. Voilà ce que ça donne. Donc on fait des rayures de jeté avec des rayures de points en vert. Et voilà ce que ça donne. Je vous l'avais dit au début, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit ça va être long, ça va être ennuyeux, c'est pas intéressant à tricoter. Finalement c'est pas si long que ça. J'aime beaucoup le rendu visuel. Ça donne du relief parce que vraiment celles en maille en vert ressortent beaucoup les rayures. Donc ça donne du relief, ça donne une structure au châle que j'aime beaucoup. Finalement, visuellement, le rendu visuel, j'aime énormément. Et j'ai commencé un petit peu à faire la même chose donc de l'autre côté. Vous voyez, j'ai fait deux rayures. Je commence la deuxième rayure de jeté. Hop. Voilà, voilà. Donc là, maintenant, c'est reparti. Donc c'est vraiment la même chose. Hein. Là, au moins, on s'y perd pas. On a très bien compris comment on fait. C'est vraiment pas compliqué. Autant, je sais qu'il y en a... plusieurs hein, quand même, et je le comprends très bien. Le premier indice, c'est vrai que maintenant qu'il n'y a plus la vidéo pour s'aider, on peut se perdre à savoir où est-ce qu'on doit relever les mailles et tout, parce que ben c'est très géométrique, et en fait, plus on avance, et plus on peut se perdre et ne plus vraiment savoir où on relève les mailles. Et c'est vrai que comme il n'y a plus la vidéo, c'est un petit peu embêtant.
Mais là, une fois qu'on a commencé, on a fait les deux premières rayures, on a compris, après c'est toujours la même chose, le nombre de mailles ne varie pas et tout, c'est vraiment... Voilà. Alors ça donne cette forme, hein. On a ici un plat, mais c'est vraiment tout... On a l'impression que les mailles pourraient... On a l'impression qu'on réduit les mailles parce que ici ça forme un plat, mais on ne réduit pas les mailles. Enfin, il y a une histoire d'augmentation et de diminution, mais le nombre de mailles reste toujours le même. Mais c'est pour... On a cette forme-là. Mais voilà, c'est que... Bah, on fait toujours la même chose et donc on retient bien, ça se fait franchement très bien. Et j'ai hâte quand même de voir ce que ça va donner après, parce que pour l'instant, donc on va se retrouver avec, hop, je vous le montre comme ceci. Donc je vais avoir ça là, je vais avoir la même chose de l'autre côté. On laisse les mailles en attente, donc ça veut dire qu'on va continuer dans ce sens-là. Bref, on sait pas trop où on va, on verra bien. Mais là, donc, je vais terminer bah, mon deuxième indice et on verra jeudi ce qui nous attend. Au niveau d'Hélène, alors pour petit rappel, là cette couleur-là c'est le coloris rose des sables de Tricot et Stitch. Ici c'est le coloris Salamèche sur la base Lurex de Bulbe Bizarre. Ici c'est le coloris Miss Lauriane, donc ça et là c'est du Mérino sans peau. C'est du Mérino, ça doit être du 85% Mérinos et 15% Nylon. Que ce soit Tricot et Stitch et là ici le laine de mout. Et là, c'est la laine de mout aussi, sur sa base Stellina, et c'est le coloris Miss Framboise. Et j'aime beaucoup. Alors, je suis vraiment très très contente de mon choix de couleurs. Ils vont tous très bien ensemble, c'est vitaminé, c'est peps. Je suis vraiment contente. Ça fait pas trop bariolé. Moi, ça forme une belle unité tous ensemble, et je suis très très contente. Donc voilà pour mon Steven West. Je m'en vais continuer mes petites rayures. Pour l'instant, le... C'est vraiment pas compliqué. C'est dans la forme qu'on retrouve l'originalité de Steven West, mais en termes de technique, il n'y a rien de compliqué. C'est pas du tout compliqué. C'est pas. Voilà, on fait pas un truc complètement fou. C'est pas comme l'an dernier, on faisait des tresses, là, on faisait plein de sortes de mini I-cords et qu'on est venu tresser et tout. Là, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et d'ailleurs, qu'on n'a pas revu. Je me suis dit, ah, c'est quelque chose qu'on va revoir partout après, mais en fait, non. Là, vraiment, c'est que des points simples, mais c'est plutôt dans la construction du châle qu'on a une certaine originalité. Voilà. Et on verra bien ce que nous réserve Steven West après. Petit point du MCAL, on est mercredi, donc la veille de lundi suivant. Je viens vous montrer, bah, j'ai terminé, hein. Je l'ai terminé, je sais plus quand, lundi, là-bas, c'était là-bas. Bon, bah, de toute façon, c'est pas rien de surprenant, c'est la même chose que de l'autre côté. J'utilise le petit anneau marqueur, celui-là il vient de l'étroit chat. Les bougies, en fait, quand on commande les bougies, elle met toujours des petits cadeaux. Et il y avait ce très joli anneau marqueur d'un chat dans une citrouille, j'adore. Et là, c'est une petite citrouille faite en pâte Fimo, je crois, de chez Woolbags que j'avais eu l'an dernier. Donc voilà, là j'ai terminé ben, la deuxième section, hein, l'identique de la première. Hop, voyez si je vous montre la moitié hein, pour pas montrer ce qu'il faut pas montrer. C'est ce qu'on disait au tricoté, c'est un peu comme Voldemort, vous savez, faut pas dire son nom, celui dont on ne prononce pas le nom. L'indice, celui qu'on ne doit pas montrer. Oh là là, on avait quand même rigolé avec ça. Je sais plus ce que je voulais dire. Bah bref, voilà quoi, c'est identique des deux côtés. Ici, on a laissé nos mailles sur nos aiguilles. J'ai pas osé couper mon dernier fil, je sais pas s'il fallait ou pas. Donc pour l'instant, il attend. Et puis bon, bah, on verra bien demain la suite. Donc sûr, on va repartir plus dans ce sens-là. Alors, est-ce que ça va être un châle très rectangulaire, un peu style étole? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que bah, ici, on a cette grande portion maintenant en I-cord. Mais comme je vous l'avais déjà dit plus tôt dans la vidéo, l'an dernier, on a relevé énormément de fois des mailles dans les I-cords. Donc c'est tout à fait possible de reprendre là pour faire peut-être un côté demi-lune. Bref, je ne sais pas. Voilà. Alors, mon avis pour l'instant, j'ai bien aimé tricoter le premier indice. Il était chouette. En fait, l'indice original était sympa dans sa construction, même si les points sont vraiment très simples. Bon bah là c'était très simple, c'est visuellement c'est sympa, c'est joli, c'est l'ensemble qui a une forme originale, mais pour un Steven West c'est pas le plus fou des châles pour l'instant. On verra bien ce qu'il nous réserve après. On en est donc à la moitié du cal. Bah, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire à partir de demain. Donc on se retrouve bah pour vous tout de suite, et moi je vous retrouve vendredi avec une petite avancée.
Alors, attention, je vais vous montrer mon avancée sur le deuxième. Troisième. C'est plutôt le troisième indice. Si vous ne voulez pas du tout voir ce que c'est ou autre, arrêtez la vidéo là, parce que j'ai quand même assez bien avancé dessus. Alors, troisième indice, ça y est, c'est parti. Il va être costaud à tricoter en termes de temps, en fait. Il demande du temps, il est long. Le géogradient aurait pu s'appeler le stripes gradient, tellement il y a de rayures là-dedans. Mais j'ai envie de dire, enfin, c'est du Steven West. Enfin, on fait quelque chose qui n'est pas commun, qui sort de l'ordinaire. On fait quelque chose pour quoi on est venu, en fait. Moi, je viens pas faire un Steven West pour juste faire du point mousse et des jetés et des rayures. Non, clairement pas. Et voilà, ça y est. Là, enfin, il y a du Steven West. Bon, on en mange, c'est long, mais le résultat en vaut la chandelle. Alors que j'essaye de vous montrer dans quel sens. Je pense que c'est dans ce sens-là. Voilà. Attention, je vous montre. Oh, c'est beau. C'est beau. Alors, nous avions mis en attente nos mailles là sur cette portion là comme ça. Nous sommes venus rabattre toutes celles là avec un I-cord. Hop. De couleur A, donc il contraste bien avec la couleur D. Puis on est venu travailler sur seulement cette partie là, sur un quart du châle. Et là on commence avec là. Alors c'est un jeu de mailles glissées. Et au début, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? C'est quoi cette histoire? C'est quoi tous ces fils qu'on laisse? Un peu sceptique au départ. Et puis au final, une fois qu'on l'a fait deux fois, deux, trois fois, on se rend compte que ça rend mais super bien et c'est super beau. J'aime beaucoup cet effet zigzag, c'est trop chouette. Ouais, non, je trouve ça super beau. Alors vous voyez, on change de... Là, il y a toutes mes couleurs, hein, A, B, C, D... Un BCD, alors à chaque fois il faut couper ses fils, il faut les rentrer avec la méthode qu'ils préconisent dans le patron. Et donc on continue. Alors on va en diminuant, je m'étais dit bon, c'est cool, ça va en diminuant, ça va être rapide. J'ai pas compté mes heures dessus, mais je peux vous dire que j'ai déjà passé quand même beaucoup d'heures sur cet ouvrage-là. D'où le fait qu'il n'y a rien d'autre qui avance, parce que je veux le faire dans les temps. Et donc, bon, j'avance dessus. Là j'arrive, ça devient bon, voilà. Il me reste encore ça de maille. Ça part vraiment en pointe. Normalement, ça va se finir. Mon objectif, c'est de le finir là vraiment ce vendredi soir. Je n'y toucherai plus avant ce week-end parce qu'après, on refait en fait la même chose. Hop. Vous voyez, on l'a là. Ça fait quand même beaucoup de rayures. On le refait vraiment à ce niveau-là. Mais comme il y a un effet miroir, je sais que mes diminutions, elles ne devraient pas être dans le même sens. Je préfère. Voilà. Pendant deux jours, oublier un peu la... Parce que c'est très mécanique, hein, on fait toujours la même chose. Mais donc je préfère oublier un petit peu, passer sur d'autres projets et revenir lundi sur ça. Même si je sais que là, il faudra carburer lundi, mardi, voire mercredi pour le finir à temps. Mais au moins, j'aurais oublié un peu. Puis il faut dire que c'est un sacré morceau à tricoter. C'est très répétitif. Hein. Mais le résultat, il est beau. Franchement, il est beau. Alors je me suis dit, arrivé là, quand j'en commençais à en avoir un peu marre, qu'on aurait pu quand même faire une couleur, faire les deux sens là de zigzag là ou de chevron, je sais pas quoi, avec une seule couleur pour changer un peu moins les couleurs, pour faire un peu moins rayure. Enfin bref, je vous montre l'arrière. Alors il y a tous mes fils, ils sont rentrés mais pas coupés, puis j'en ai laissé un petit, peut-être un petit peu beaucoup. Mais regardez là, j'adore l'envers de ce point. Ça fait très très joli. Donc je suis contente dans le fait que j'ai découvert une technique que je n'avais jamais fait. Enfin, il n'y a pas vraiment de technique, mais le point, je ne l'ai jamais fait. C'est très joli, franchement, visuellement, j'adore, c'est beau, c'est joli, mais alors là, c'est très redondant, quoi. C'est long, ça demande quand même finalement beaucoup de temps de le faire, mais bon. Voilà, le jeu en vaut la chandelle. Oh, il ira très bien avec mon pull. Enfin voilà, donc le Steven West. On avance, donc ouais, mon objectif avant le week-end, ou vraiment au pire, en tout début de week-end, finir cet indice-là, pour le reprendre que la semaine prochaine, histoire de pas faire que ça, parce que j'aurais fait une overdose. Et donc c'est marrant parce qu'on voit, le patron avait été testé une première fois avec le symbole original, et donc il y a des testeurs de...
de Steven West qui refont le, qui ont refait le châle avec un, le nouvel indice officiel ou avec un dérivé moins. Voilà, et qui donc eux ont une semaine d'avance. En fait, quand on a fait le premier indice, c'est vrai qu'il se terminait, on terminait c'est assez vite, hein, on pouvait le terminer quand même 3-4 jours avant facilement. Donc eux, c'est des gens qui ont pris de l'avance puisqu'ils avaient tout de la suite. Donc ils ont déjà posté par exemple bah, tout ça tricoté en double des deux côtés et ils marquent bien que c'est pas des tricoteurs rapides, c'est juste que c'est des testeurs, que donc ils l'ont tricoté la semaine dernière, ils ont de l'avance sur nous. Mais ouais, non, c'est un sacré morceau à tricoter. Mais le rendu, regardez, c'est vraiment beau. Visuellement, c'est beau. C'est très très joli. Si je vous montre de plus près. Non, c'est super beau. Hein. Franchement, à voir, je suis épatée. Mais c'est long. C'est long à tricoter. Et ça fait qu'on se retrouve avec un plat qui a l'air de se former par ici. On va dire un haut de châle. On a l'impression que ça va être comme ça qu'on va le porter. À voir. Après, comme on ne sait pas trop où on va, j'ai un peu peur que la dernière section soit longue aussi. Je sais que là, alors il avait dit que le dernier indice, il était adaptable en fonction de sa laine. Si on voulait vraiment un grand châle ou un pas trop grand châle. Enfin, bref, on peut répéter a priori le dernier indice plusieurs fois pour aller soit au bout de sa laine ou pour avoir un grand châle. On verra bien ce qu'il nous réserve. Mais bon, bah, l'objectif de mon week-end, c'est de finir cette petite boue de pointe, ça devient bon. Et la semaine prochaine, je ferai l'autre morceau. C'est pareil, ça, je ne l'embarquerai pas avec moi parce qu'il faut... Je suis toujours sur mon téléphone en fait à suivre le patron parce que c'est une histoire de 24 rangs au total et donc je regarde toujours le début de rang pour savoir comment ça démarre, le fin de rang pour être sûre de ne pas m'être trompée parce qu'il y a plein de fois où je me suis trompée parce que c'est des histoires de mal glisser, on en glisse une en trop ou une en moins donc je défais, je recommence mais je m'en rends compte toujours à la fin du rang parce qu'on est censé avoir tant de mailles et voilà si on ne l'a pas c'est qu'on s'est trompé. Donc je suis toujours avec mon téléphone, tout ça, on coupe beaucoup de fils, il faut tout prendre. Donc lui aussi, c'est un tricot maison qui bouge pas. Voilà pour le Steven West. Je suis contente, hein, franchement je suis contente, visuellement je le trouve très beau. Je le répète, mais mon choix de couleur j'aime beaucoup. Donc voilà, globalement je suis contente, puis je suis contente enfin qu'on sorte un peu de l'ordinaire et qu'on fasse quelque chose de différent, même si c'est un peu long à tricoter. Voilà pour cette semaine, on est arrivé au bout. Donc la semaine prochaine, encore le Steven West, la semaine d'après, oui, encore une fois pour le dernier indice, et normalement ça sera fini ça. Voilà, en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt, bye !